Et donc, bonjour à toutes et à tous, c'est Nazor. Et on se retrouve pour la suite de Pandora Tower, voilà. Dans la dernière vidéo, on s'était lâché juste avant d'affronter le boss de la tour, donc on va rien à faire ici, il me semble, on va juste coucher un coup, histoire d'être sûr de notre coup. J'ai dit deux fois le mot coup, voilà. C'est un bon début de vidéo, du coup. Oh, trois fois, putain, mais what the fuck, et décidément, aujourd'hui, je suis décidé à dire de la merde. Du coup, on va juste lui parler un peu. Aimez-vous la lampe, hein? Qu'est-ce que t'aimes, ma grosse lampe? Ouais, si c'est bien, si elle est contente, moi je suis content. Du coup, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux retourner de la tour. Donc là, le boss, on sait où il est, on y va. On lui bouillave la gueule et on revient. Ni vu ni connu, voilà, ça prendra pas de temps. J'espère qu'il sera pas aussi chaud que celui de la tour de plantes. Je regarde que j'ai rien de... À la limite, j'aurais peut-être pu... Oh non, c'est pas grave. Allez, on est good, on y va, c'est parti. En espérant que ce soit une bonne vidéo et pas une mauvaise, mais bon. Ça, l'avenir nous le dira. Hop, alors, faut aller à la Citadelle Ardente, c'est parti. Allez. Citadelle Ardente. Bon bah, faut se retaper la tour, du coup, hein, vous connaissez le principe. Mais là, ça va aller vite. Vu qu'on a le raccourci, alors si je me souviens bien, voilà, faut aller prendre la porte qui est tout au fond. Que là, pas de problème. Oula, oh, oh, c'est quoi ça? Il y a plein de monstres. Vu que je suis quelqu'un qui aime bien faire le ménage, on va quand même se débarrasser un peu de tous les monstres qu'il y a. Hein. Ce serait bien de vider un peu la salle. Hop. Allez, voilà, on prend. Oula, oula, attendez, attendez. Ah, mais genre, il va jusque là, lui, il peut faire des roulades et tout. Ah, il est mort. Alors, lui, il est dead. Du coup, alors ensuite, je prends de la chair, ok. Toi, je prends ta chair. Nickel. Ah, de la fraîche, ça, c'est cool. Ah, putain, il fait du feu quand il marche, je savais pas. Arrête de bouger. Voilà, quand il bouge pas, il pose pas de problème. Bon, il est mort, comme ça, pas de problème du tout. Du coup, alors, on peut prendre son corps, sa tête. On va prendre sa queue. Ouais, de la poudre à canon, ouais, on a déjà vu mieux. Ah, une pierre éruptive, ça va. Ouais. Ça me sert pas à grand chose, mais bon, c'est toujours ça, on va dire. Alors... Du coup, maintenant, le moment le plus passionnant de la tour, hein, quand on monte les échelles. Putain, et si je commence à m'étouffer, ça va pas le faire. Hein. Ce serait dommage que je crève avant le boss. Hein. Et surtout dans la vraie vie. Là, je serais pas dans la merde. Alors, du coup, on continue d'avancer lentement, mais sûrement. Allez, courage. Par contre, attendez que je me souvienne comment on atteint le truc. Je crois qu'il fallait passer par la droite. Hein. Je crois que c'est un truc comme ça, fallait passer... Non, pas la droite, la gauche. Enfin, on va voir. Hop, on se dépêche dans tous les cas. Alors voilà, tu t'accroches à ça, je crois. Nickel, ensuite on monte. Là, voilà. Oh, ça va, je me rappelle bien du chemin, c'est tranquille. Bon, sinon, vous, j'espère que vous passez une bonne journée, hein. Sachez que j'ai failli pas filmer aujourd'hui parce que j'avais un peu la flemme, mais je me suis dit, oh, allez, j'ai pensé, voilà, quoi, aux gens qui suivaient mes vidéos et qui sont merdés un peu. Genre, par exemple, Roro, voilà, vu qu'il avait sa maison, enfin, sa chambre qui avait eu un problème et tout. Donc, je me suis dit, oh, bah, tiens, ah, merde, merde, non, non, je vais pas tomber. Je suis tombé, faut que je me refasse le chemin. Je me suis dit, oh, bah, voilà, on va faire une vidéo, sinon, après Roro, il va s'emmerder, le pauvre. Donc, voilà, tu vois, Roro, je pense à toi. Petite pensée pour Roro, hein. J'espère que tu vas bien. Alors, je prends encore des nouvelles de Roro, voilà, comme peur pour tout le monde aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à bien. Si vous allez bien, Yasukuja, Mitsuna, il y a qui d'autre? Il y a. Putain, j'ai oublié vos pseudos, ça fait chier ça par contre. Enfin bref, j'oublie peut-être vos pseudos, mais vous êtes quand même là, dans mon cœur, donc c'est le plus important. Bon, par contre, c'est un peu flippant ce que j'ai dit là, mais c'est pas grave. Alors, on se dépêche, on passe de l'autre côté, là on est bon. Non! Oh, c'est bon, j'ai pu descendre l'échelle. C'est pas passé loin. Encore un peu et je ratais l'échelle et là, j'aurais vraiment du tout me retaper.
Alors du coup, ça sert à quoi de tirer ça? Ouais. Attendez, mais du coup, faut se dépêcher là. Ah voilà, c'est bon, nickel, t'as le temps en fait. Quoi? Mais non, ça c'est dégueulasse. Vous avez vu, je me suis tapé un mur invisible. C'est quoi ce pot de malchance quoi? Putain, plus de malchance, tu crèves, c'est abusé. Enfin bon, c'est assez rare que je sois quelqu'un de malchanceux, on va dire, donc bon, pour une fois, j'ai pas en plein. Puis bon, là, la malchance, hein, aussi. Allez, là, on se dépêche. On y va. Bien. Ah là, là, on est bon. Ah, là, j'aurais pas accepté si j'étais passé à être... Je m'étais tapé à l'échelle de gauche, j'imaginais. Là, ça aurait vraiment été dégueulasse. Bon, du coup, on arrive au boss. Voilà, il me reste pas mal de temps. Enfin, quoi que pas mal, façon de parler, parce que là, il y a déjà un quart de la barre qui est morte. J'ai juste à droite de voir s'il y a pas un truc à ramasser. Ah, s'il y a une roche détonante, ça a l'air rare, donc tant mieux. Allez, maintenant, fini de perdre du temps. Rentrons dans la salle du boss et voyons voir ce que je vais me affronter. Sachant que je me rappelle plus de ce que c'était le guide qui m'aidait contre. Oh, c'est pas grave. Hein. Le guide qui m'aidait contre le boss, je sais plus ce qu'il disait, donc on va voir. Je sais qu'il disait qu'il avait. Apparemment, il était assez puissant, donc on va voir. Là, j'ai un peu de peur, je vous avoue. C'est quoi ce truc? Ok, bon, bah, déjà, c'est pas bon du tout parce que le boss est très rapide. Ça, j'aime pas. Et la caméra a des plans de merde aussi. Ça, j'aime pas non plus. Waouh, waouh, waouh! Ok, ça commence bien. L'objet est habillé. Bon, apparemment, déjà, on peut l'attraper pour l'empêcher de bouger. C'est cool. Pour le moment, c'est pas très compliqué. Pour le moment, évidemment. Attends, mais là on voit son cœur ou quoi? Ah si, ouais, je crois qu'il faut le taper et on voit son cœur. Ah bah, ouais, ça va. Au début aussi, il était simple, le monstre de la tour d'herbe, j'ai envie de dire, mais après... Ah là, voilà, apparemment, je l'ai chopé. Oula, oula. Eh, c'est relou, ça. Voilà, on le tape. Attends, là je vois son cœur, certes. Je tire. Aïe! Putain, je me suis tapé avec la Wiimote! Putain, mais quel con! Alors attendez, qu'est-ce qu'il fait là? Ok, ça lui crée des... C'est quoi ça? Faut essayer de les choper. What the fuck? Bon, ok, faut les choper et je sais pas. Putain, merde, je saigne! Je me suis fait saigner en me tapant avec la Wiimote, j'hallucine! Mais c'est dangereux ces merdes! Attendez, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, peut-être faire... Voilà. Tourner, mais ça sert à quoi? J'ai pas compris. Voilà, je fais tourner. Ouais, il se tape et... Ah, voilà, c'est comme ça qu'on le bat, ok. Enfin, qu'on bat. On passe cette phase, plutôt. Voilà, nickel. Bah, là, pour le moment, il est pas dur. Hein. Alors, attendez, par contre, juste... Putain, mais je saigne vraiment, quoi. C'est horrible. En fait, je vous explique, j'ai vraiment tapé au mauvais endroit parce que c'est un endroit où il y a ma cicatrice et ça, c'est pas bon du tout. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails non plus, hein, ça vous rate pas trop. Mais voilà quoi. Ah, du coup, attendez, je vais me soigner avec les médicaments. Voilà. Voilà. Ah. Allez, mais roule, voilà, il voulait pas rouler. Je crois qu'il a ouvert sa... Enfin bref. Là il y a trop de mains. C'est pas des mains ces trucs, mais bon. On appelle ça des mains. Ça
ça le défend encore trop pour que je puisse attaquer, on va dire. Allez, hop, 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 on secoue le nunchuk. Voilà, et maintenant je peux attaquer. Ouh, apparemment il essaie de m'attirer contre lui maintenant, enfin bref. En tout cas pour le moment, bah, c'est très simple, hein. Je sais pas si ça va rester... Bon, profitons-en, hein, mais... Waouh, 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 waouh. Ah, il est temps de se soigner. Alors attendez, c'est quoi déjà le truc qui permet d'enlever les... Que j'utilise jamais... Ah ok, je crois que là en fait je l'ai enlevé de mon... C'est le truc que j'enlève jamais, et à chaque fois je me dis putain ça me sert à rien alors que je l'ai. Et au final maintenant que je pense à l'utiliser, je l'ai pas. Le truc pour m'enlever les altérations d'état, enfin bref. Alors allez, attaque-moi. Je crois que là en fait faut se rouler d'aller devant lui quand il fait ça. Et ensuite on pourra lui tirer le cœur. Enfin, je pense que c'est ça. Enfin, bref, il est revenu à l'ancienne phase, donc on va en profiter. Si j'arrive à attraper ce truc... Ouais, il switch entre les phases maintenant en fait. Enfin, entre plusieurs phases, genre rien du tout. Bon, au moins c'est un boss qui a le mérite de vite changer de façon d'attaquer, hein. Et de switcher entre plusieurs façons, j'ai l'impression. Allez, on tire! Que je fasse monter là-bas! Voilà, nickel. Ah là, attention. Attendez, par contre, j'ai un petit. Voilà, c'est bon, c'est passé. Faut être préparé. Ok, tranquille. Ok. Ok, ok, tout est bon pour le moment, pas de problème. Je suis ok. Aïe, aïe. Putain, j'aurais pu attraper son cœur là. En plus, je crois que le prochain coup, je le finis, hein, si je suis pas de canon. Ah, du calme. Allez, dépêche-toi. On va se rendre des vies juste au cas où, même si je pense que j'en ai pas spécialement besoin. J'avoue que cette phase, elle est quand même chiante. Ah putain, là je galère un coup mais c'est pas grave, on va dire que le boss n'est pas très complexe. Je pense que je vais réussir à le battre là. Voilà, là je le bats. Allez, allez, allez. Ah putain, faut pas que j'attende le bout à chaque fois, faut que dès que je suis au milieu je tire. Mais bon, vous me connaissez moi, je suis toujours à vouloir taper à fond. Allez, allez, bouge-toi! Ah, c'est chiant, hein. Dès qu'il y a une main qui te chope, après les autres te combattent. Allez, ah, fais une roulade, c'est pas trop demandé! On va rester bien au milieu, comme ça il va me retomber dessus. Et ralentissez maintenant. Hop. Aïe. Ah merde, il va falloir que je me remette de la vie là. Là par contre ça va être, sinon je crève. Hop, ouais bon, j'ai pris un truc un peu trop puissant mais c'est pas grave. Allez, attaque-moi, je sais pas ce qu'il fait là. Hop. En fait maintenant le truc c'est qu'il envoie toutes ses mains d'un coup, donc si j'en attrape une, c'est ça le problème, c'est que je me prendrai les autres derrière.
Allez, là, je vais réussir à l'avoir, je le sens. Oula. Allez, on le chope. Là, faut pas que j'attende le bout, faut que je tire direct. Ah putain, j'ai essayé, mais j'ai pas. Bah non, je veux trop attendre le bout, c'est pas. J'ai pas bon, chat. Putain, il est chiant le boss. Le truc c'est qu'il est long, faut rester concentré, c'est ça. Parce qu'en soi, voilà, il est pas dur, je veux dire, on a compris le principe. Maintenant, il suffit juste de faire un peu gaffe et ça passe. Allez, là. Voilà, faut pas attendre le bout, faut y aller dès qu'on peut. Mais comme ça, vous voyez, à la prochaine phase, je le bats. Dès que je peux le rattraper, là, ce sera bon. Bon, là il a l'air un peu énervé. Tant que logique, je veux le tuer. Allez, encore un coup et je le bats. Courage, on y va petit à petit, mais on y va, c'est le principal. Regardez, en bas à gauche, j'ai encore de la barre de transformation, donc je suis tranquille à ce niveau-là. Aïe aïe aïe. Putain, ça fait mal. Aff. Allez, monte-moi ton cœur. Là, il me le montre, mais je peux pas le choper. Hop, hein, mais genre ça l'a pas touché. C'est chiant, tant qu'il garde un bouclier, je peux pas le toucher. C'est... Voilà, maintenant je vais. Là c'est bon, on va le finir les gens. Et le boss va être battu là. Voilà. Bon bah boss pas très compliqué en somme, mais bon. On va dire que sur la fin j'aurai un petit peu. Pas galéré, mais voilà quoi. Le boss aura duré un petit peu longtemps pour rien. Mais le principal c'est qu'il est battu, donc bon bah c'est passé comme du beurre sur du pain. Putain, j'ai mis de la peine pour lui quoi. En tout cas ça va, même si le boss était speed, il aura pas trop utilisé sa vitesse contre nous, donc c'est cool. Ah. La maître est vaincue, la chaîne a retrouvé sa puissance, ça c'est cool. Alors par contre, dans cette salle, j'ai pas vu de machin à récupérer ou quoi, c'est... Y'a rien ? Y'a un truc là. Ah voilà, elles étaient ici, putain. Je les avais pas vues durant le combat, donc bon bah... Franchement, je les ai vues à la fin du combat. En tout cas, maintenant on peut partir d'ici. On va se dépêcher parce que là, on est limite en temps. Heureusement qu'on revient direct des combats à un boss. Hein. Observe, tueur. Non, on va retourner autour, nous. On se dépêche, on se dépêche. Bien sûr, à l'intérieur, forcément. Est-ce que si elle devrait pas être transformée, ça va être cool. Alors, par contre, escade. Oh, elle est réveillée, c'est bon. Elle est dans le lit, mais elle est réveillée. Oula, il y a plein de trucs. Alors, demande la réduction, oui, oui. Journal de l'instruction. Ah, ça, maintenant, je le sais. Ah, apparemment c'est un lien avec l'armée, hein, l'incident, ça on le sait maintenant. Peut-être aussi un lien avec le 13e maître, mais bon, ça, on sait pas plus, hein, vu qu'au final, je crois qu'il a jamais été fini le 13e maître, d'après ce qu'on avait compris. On va parler un coup. Ok, bah tiens, je te donne de la chair. Hein. Miam! M'a limé la langue, hein. La cochonne.
ルチルはもう帰ってこないんだ。ルチルがいなくなって悲しんでいるのはお前だけじゃない。もういないんだ。ルチルはいないんだよ。俺たちのルチルはもう死んだんだ。あなた。俺はお前がいてくれたら。あなた。そうね。あなたがいるわよ。 J'ai vraiment hâte qu'on en apprenne plus sur eux. Pourquoi est-ce qu'ils nous montrent l'histoire de leur fils? Ça, on va savoir. Moi, je suppose qu'ils ont un lien avec la tour. Hein. Si à chaque fois on voit ça, ça on s'en doute un petit peu, mais bon. Bon, bah oui, on sauvegarde évidemment. Après ce qu'on a fait là, tu m'étonnes qu'on sauvegarde, hein, putain de maître à la con. on continue. Nuit. Ok, bah c'est précis au moins. Alors, ancien maître, en l'an 450 de l'ère unifiée, au beau milieu de la crise de succession au trône, les tensions augmentèrent entre nous et les trois royaumes d'Athos, de Certes et de Téna. Sachant qu'il fallait nous tenir prêts à affronter ces trois royaumes, nous avons lu attentivement certains textes datant d'il y a 460 ans sur les pouvoirs des maîtres. Selon le texte, la création des maîtres n'a été possible que grâce à la coopération de la tribu des Vestra. Ouais, ça veut dire qu'apparemment, Mavda aurait participé à la création des maîtres. Putain, Strigon nous a visuel novel, là, le fait que la meuf on entende sa voix et le mec on l'entende pas. Oh bon, là on revoit les textes qu'on vient de lire. Hein. Les armes du passé. Un récit de 460 ans. Bon, en fait, ça m'étonnerait que Mavda soit aussi vieille que ça. Mais quoi qu'on sait jamais. Hein. Ça veut dire que les maîtres avaient déjà été créés et battus, et là en fait ils ont été recréés il y a 50 ans et on doit les rebattre. Ouais, elle fait genre, en tout cas, c'est probable après qu'elle n'ait pas de lien avec ce qu'a fait son peuple, mais c'est possible. Hein. Parce que 50 ans, c'est pas si long que ça quand on y pense. Ou alors Ruben. Non, c'est pas possible, je suis con, j'allais dire une connerie là, bref. 50年前のことだけだよ。私らだってエンディ、あんたが塔から持って帰ってくる情報を買うんだよ。用事がないんなら、これで失礼させてもらおうかね。Finalement, on ne sait pas spécialement plus que nous, ou alors elle répond pas à certaines questions, c'est aussi possible. Il commence à douter maintenant, c'est génial. Manquez plus que ça. Plus on en apprend, moins on en apprend. C'est bizarre. Alors du coup, on a des textes anciens maîtres. Je pense que c'est ce qu'on vient de lire, hein, je pense. On va parler à Mavda, histoire de se débarrasser de la viande et toutes ces conneries.
Oui. 70 euros, ça l'a un peu radin. Wouh, je suis riche. Alors, là, qu'est-ce que je vais acheter? On va voir déjà tout ce cas là. Bon, le truc là, on s'en fout, là aussi. Là aussi, on s'en fout. La ceinture de cuir dans les coms, on m'a dit qu'apparemment ça servait plus. Putain, je peux acheter l'autre tenue. Mais qu'apparemment ça servait plus à rien de les filer à la meuf parce que bon, bah, vu que notre sac est bourré à fond, ça sert plus à rien. Mais je sais pas, quand je lui file la direct, je vais voir si je peux pas faire autre chose avec. Mais bon, puisque vous me dites que ça sert plus à rien, bah, on va laisser tomber. Hein. Alors attendez, il y avait un truc que je voulais acheter. Voilà, c'était le tapis indigo. Voilà, il me reste 2000. Ouais, voilà, pour le reste j'économise. On achètera la robe la prochaine fois qu'on viendra. Voilà. Alors du coup, on va foutre un peu des trucs de notre inventaire. Voilà, ensuite, où est-ce qu'elle est la gonzesse? Elle est là-haut. Elle se cache! Voilà, femme! Voilà. Putain, c'est la première fois qu'on a ce point de vue vers la fenêtre, c'est beau! On voit bien la brèche, enfin bref. Bien, en même temps, on est dedans, mais bon. Ouais, je pense que aussi, hein, vu que la guerre, elle existe, je le répète. Du coup, alors on va lui faire plein de trucs là. Ah mince, c'est pas ici, c'est ici. Voilà. En l'occurrence, le tapis. Tant mieux si t'es détendu, comme ça, ça booste mon affinité. Alors ensuite les graines. Et ensuite pour finir la fleur. Tiens, Andrea Dampo. Oh, si elle est contente, tant mieux. On va parler un coup. Ouais, ouais, si tu le dis, c'est cool. Non mais tais-toi, femme, voilà. Rien de plus. Toujours pas de la doublure? Putain, on voudra jamais, hein. Enfin bref. Du coup, j'ai plus rien à lui filer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir s'il n'y a rien de la cave. Et après, bah, à la limite, on pourra retourner dans le prochain donjon vite fait. Donc, on verra lequel, hein. Je sais pas exactement. On va voir, on va voir. J'ai des trucs à récupérer, des anciennes notes illisibles. Donc, déjà, il faudra demander une traduction. Ça, décidément, hein, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la cave? Surtout que ça repop apparemment, vu qu'à chaque fois. Donc, au même endroit, hein, ça c'est chaud. Tant mieux, hein, tant mieux. Plus on a de texte, plus on sera d'argent derrière. D'ailleurs, je sais pas d'où attire tout son fric, Mavda. Hein. Parce que bon, quand, le fric qu'elle a pour nous acheter les textes, c'est pas le fric qu'on lui donne, hein, parce qu'il y en a trop. Hein. On va savoir d'où sort tout ça. Et voilà, c'est bon. Bah du coup, on peut retourner vite fait dans un donjon. Peut-être à la limite trouver une chaîne ou voir même un raccourci. Mais à mon avis, c'est trop demandé un raccourci. On est à combien de minutes? 29 minutes? Ouais, non, en fait, c'est trop demandé un raccourci. Hein. Là, on aura peut-être même pas le temps d'une chaîne. Ouais, bah, ça serait du rush alors d'aller dans un autre donjon qu'on n'a pas. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ou alors, à la limite, une vidéo de 30 minutes aujourd'hui, ce sera court. Ouais, ce sera pas une mauvaise chose non plus. Toujours pas mes armes à améliorer? Non. Ça fait chier, il me manque pas grand chose. Mais bon, à tous les coups, c'est un truc putain de bien caché ce qui me manque là. Donc laisse tomber, laisse tomber. Du coup. Bah, je crois qu'on est bon là à ce niveau-là. On va peut-être à la limite. Ouais, à la limite, ce qu'on peut faire, vu qu'on a du temps, c'est qu'on va rusher le social link. Regardez. Ah, 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 il y a une scène durant la nuit. Wow!
Ok, alors Aaron qui commence à faire des cauchemars, ça devient glauque. Du coup, est-ce qu'elle est... Elle... Ah bah elle est dehors. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est ça, hein, pour le temps de la vidéo qui reste, on va dormir, lui parler, histoire de booster le setting. Comme ça, on verra des scènes qu'on n'avait pas vues avant, et on verra un peu ce qu'elle fait durant la journée, à la limite, ça peut être sympa. Ah merde, là, y a rien à dire. Moi, c'est fou. À la limite, on peut parler quand même. Vous sentez-vous bien à cette question? Chantez-vous encore? Ah, mon nez commence à me gratter. J'ai failli éternuer là. Bon, à cette question. Ah, ça booste même pas mon social link. Ah. Il aurait si je reparle. Ouais, non. Bon, bah, du coup, on va retourner se coucher. J'imagine le gros héros flemmard. Bon, moi, je veux me coucher, femme. Hein. On reviendra ensuite. Alors, on va dormir ce coup-ci, ouais, 10 heures. Allez, de en haut ce coup-ci. Hop, 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 en espérant que ça pourra booster plus mon scaling que tout à l'heure. Sans-scaling, 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 sans-scaling. Le mec à fond dedans. Reine de la fête en fuite. Ouais, t'es contente. Ok. Bon, on va retourner se coucher alors. On voit qu'elle fait la traduction à 10 h, c'est cool. Alors, que fait-elle donc à 11 h? Ah. Apparemment, elle respire l'air pur des plantes. Après la fête. Bah, tant mieux. Voilà, c'est bien quand même dit des trucs à la con, genre j'aime les plantes. Pam, le social link qui booste, c'est cool ça. Et sinon, il en faut peu hein, pour rendre heureux comme on dit. Alors quand même dit qu'il n'y a pas de blessé là, par contre rien à branler, hein, mais bon, j'aime les plantes, wing, c'est cool, tant mieux. du coup, là, elle fait la cuisine à midi. Temps normal, c'est l'heure de manger. Oh, on mange? Classe! Oh putain, c'est rare de voir Iron sur son armure. Ok, c'est pas grave, femme. Alors, est-ce que t'as un truc à me dire? Le bracelet d'ambre. Par contre, elle est passée où sa robe que je lui ai filée? L'ambre, c'est la joie ou la tristesse? Eh, vas-y! Eh, Google! Google! Alors. La signification de l'ambre. Voilà, bon, il y aura sûrement des likes sur la vidéo, mais c'est pas grave. Alors, l'ambre. L'ambre, elle est à la terre. Nana, ouais, mais on s'en fout. Je vais écrire joie. Attends, la joie tristesse. Alors, il agit de remplacer la négativité. Ah, apparemment, c'est l'amour et la joie. En fait, l'ambre, ouais, apparemment, ça chasse la négativité pour remplacer par l'amour et la joie. Donc, c'est la joie la bonne réponse. Quoiqu'à la limite, je vais quand même essayer la tristesse au cas où. Ambre. Tristesse. Oui, je triche et je vous emmerde. C'est comme dans Persona.
On va voir sur internet. Ouais, non, non, apparemment c'est la joie. Donc hop. On va attendre que ça te délague plus. Voilà, c'est bon, joie. Oui, je sais, je l'ai appris il y a très longtemps. Juste quelqu'un de très instruit. Regardez la gueule qu'elle tire par rapport à la façon dont t'en parles, quoi. Socialing, 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 socialing. Ouais. Alors attendez, il reste combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 6 points à passer. En gros, je dois être au 4ème point à peu près, je suppose. Il me semble qu'il y en a 10, hein, je pense. Oh ouais, c'est bien, ça monte, ça monte. Ouais, vas-y, vas-y. Socialing, 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 socialing. Bon, apparemment, là, c'est fini. Et on est à quoi, une minute, là? 36 minutes, on a encore le temps de booster un peu, comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe, vous. C'est ça, du boost socialing dans ce jeu, hein, c'est pas que lui filer des objets, c'est aussi lui pomper les couilles. Enfin, un temps soit peu, faudrait qu'elle en ait, mais bon. Je porte l'amulette. Non mais t'inquiète pas, pour moi ça représente beaucoup de choses. Hein. T'as vu les stats de ouf qu'elle me donne? Oui, oui, socialing, 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 socialing. Ah, apparemment c'est fini pour ce soir, enfin pour maintenant. Oui, c'est bon, tout va bien. Alors ensuite, on va se recoucher. C'est bien, tu dors, tu parles, tu dors, tu parles, c'est bon. Hein. Il est pas compliqué le jeu. Alors là, allez encore. Putain, on passe sa journée à traduire en fait. En grande partie. Je vois déjà le titre de la vidéo. Social Link. La chaîne devient forte. Ah, décidément. Bon, par contre, dès que je fais parler, vous remarquez qu'à chaque fois, je passe les dialogues un peu parce qu'elle dit de la merde. Genre, ah, j'ai posé le tapis que tu m'as offert. Ouais, c'est cool, vas-y, social link, voilà. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Voilà, social link, nickel. Vous voyez que ça bosse bien. En plus, pour ce qu'elle nous dit, on peut passer, hein. C'est pas non plus des trucs super importants. Alors ensuite, hop, on repasse l'heure. Maintenant, elle est encore en train de profiter de l'odeur que dégagent ces plantes vertes. Non mais de rien, de rien. C'est dur, on te rend pas compte. Je dors, je te parle, je dors, je te parle. Putain, c'est compliqué. Hein. Social Link. Social Link. Nani? Social Link. Ah, c'est bien, on serait bon. Hein. Alors hop, on avance l'heure. On monte en haut. Putain, on fait pas grand chose cette journée en fait, à part traduire, voilà quoi. Cette journée est vite tracée. Ensuite, elle lit sûrement ses traductions, une chose comme ça. Sur les conversations. Mais normal, en même temps, il faut que je booste mon socialing, moi. Social Link. Putain, ça monte. Enfin, ça monte, mais ça frôle le prochain point là, mais ça va pas le toucher, ça m'énerve. J'aimerais qu'on se quitte sur le point quoi. Ce serait cool. Ah, oh! Qu'est-ce qu'il a fait de. Oh, c'est la première fois qu'on va lui parler là-bas, je crois. Hormis le fait qu'on se transforme, mais bon. Allez, oh non, en haut, je crois que ouais. Ah, on aura peut-être une cinématique du coup. Parlez. Oui. Social Link. Social Link. Social Link. Putain, n'empêche, cette vue, elle est toujours aussi magnifique.
Attendez une minute, regardez là, là Aaron regarde la tour, on est ok. Je vais appuyer sur Z, oui, c'est bien Z, pour voir, pour regarder la meuf. Hop, Aaron s'est retourné. Putain, il est rapide ce con, hein. Même pas une frame, il s'est déjà retourné. Il est fort, il est très fort. Allez, du coup, on en a combien de minutes là? 41 minutes, ouais, bah on en a assez profité hein, du social link. Allez, j'avance d'encore une heure, histoire de quand même essayer d'atteindre le point. C'est le dernier essai, hein, si je l'atteins pas, c'est pas grave, on s'arrête là. Et ensuite, bah, on coupe la vidéo, hein. Je vous dirai salut, bye tout le monde, mes couilles, voilà quoi. Oh putain, oui, ça me plaît. Social Link. Putain, mais je frôle le prochain point. Regardez, je suis dedans. Non, mais allez, dernier essai. J'ai pas dit ça avant, mais non, c'est pas grave. Oula, attendez, qu'est-ce qu'il y a? À mon avis, il y a de la cave là. Ah non, elle est dehors, putain. Il y a des lucioles! Heureusement que j'étais là! Ok, elle a plus rien à me dire. C'est bien, je l'empêche de se ramasser la gueule. Hop, Social Link! Allez, dernier essai parce que. Regardez, je suis. Là vraiment, le point, je suis dedans. Regardez à gauche, le point, je. Vraiment, je suis dedans, là, je vais la voir. Encore dehors. Je veux juste la voir, on se lâche là-dessus, ce serait cool. Comme ça, vous voyez, c'est bien, on booste pas les donjons, on booste le Social Link. Ouais, Social Link. Oui, mais... Non, regardez, je le suis dedans, là, mais c'est dégueulasse. Pff, allez, femme, laisse-moi booster ton Social Link. Est-ce que je rachète une plante ou pas? Allez, ou aller en haut, ça sert à quoi? Et je veux l'avoir, mon point, hein. C'est comme des points de couture, tu sais, faut bien rentrer dedans, si tu passes à côté, t'es de la merde. Alors attendez. Oui, j'ai fait de la couture quand j'étais petit, je vous emmerde. Ah non, pas, c'était bien quand t'étais petit et que t'avais rien à faire en vacances. Oh non, j'ai rien à lui offrir. Qu'elle se faire foutre en fait. Allez, on va voir. Je dois avoir des choses à lui offrir dans mon sac, je suppose. Vous savez, les roches à la con là. Nani? En même temps, je suis à côté d'elle, donc bon, normal qu'elle m'a entendu. Hop. Oui, ça va, attendez, on va tester le cadeau. Le coup du cadeau, ça marche à tous les coups. Ben voilà, c'est les roches de feu qui la boostent bien. Je vais jamais réussir à l'avoir, mon deuxième niveau, c'est pas possible. Oui, oui, t'es contente. Social Link. Putain, j'hallucine. Eh, c'est pas possible. Regardez. Mais on est dedans, là. C'est bon. De radin. Putain, elle passe sa journée là-haut, j'hallucine. Allez, donne-moi mon dernier point. Ah, elle était pas là avant, elle est vraiment par là, là. Voilà, en même temps que les maîtres, non? Enfin, faut voir si déjà à l'époque des tout premiers maîtres créés, il y avait déjà la brèche. Je pense pas, mais bon. Social Link! Mais putain, bon, ça bouge plus, allez. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Je crois que je l'ai assez surmené, la petite. Vous allez voir, genre la prochaine vidéo, je suis sûr, je vais lui parler. Vling, premier point! Wouh! Au moins, on commencera bien la vidéo, j'ai envie de dire. J'aurai juste que j'ai rien à lâcher. En Brody, j'ai pas besoin d'en avoir deux. Déjà une, c'est limite, alors deux. Ça non plus, j'ai pas besoin d'en avoir deux. Bon, on est bon.
Bon bah les gens, écoutez, moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah je vous dis salut à tous, à la prochaine. Pour une prochaine vidéo de Ponderator, salut les gens.